Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Minime. Non, c'est Walai pour Minime Diamond Bendix. Et je commence à raconter n'importe quoi, on est bien parti, je vous le dis, les gens. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre petite case du chien. Ça fait déjà une semaine que le temps passe vite, mais là, passe vite, mais il passe lentement à la fois. Bon, je viens de me coincer le doigt dans le trépied, j'ai mal. Je suis en mode pas de bruit en ce moment. Un signe, il faut que j'aille me coucher. Bon, c'est pas pour tout de suite le dodo, mais juste de se lever. On vient juste ici, 6h53. Ouais, plus ça va, plus je vous prends tôt. Je voulais m'installer dehors. Cependant, c'est encore trop humide. J'ai beau passer la raclette sur la table, ça, l'humidité se redépose tout de suite. Donc, j'irai m'installer dehors un peu plus tard. Je pense que j'irai après le biberon de Nemo. Voilà. Ah mon dieu, les semaines elles passent à une vitesse. Ça fait déjà une semaine. J'ai l'impression que ça passe trop vite. J'ai du mal à cadrer aujourd'hui. J'espère que ça va aller pour vous. Que dire? Bah lundi c'est le brevet. Hein. Il me reste 2 jours de cours, on va dire, de vrais cours avec les élèves. Après, donc il y a une semaine un peu bouleversée puisque lundi, mardi, je suis de surveillance de brevet. Mercredi, journée normale, on se retrouvera pour faire notre petite case de DP, tout va bien. Enfin, journée normale, non, ça va être très bouleversé puisque je n'aurai que les deux petites. Les deux grandes s'en vont au parc Astérix avec le boulot de Chevy. Donc ça, elles vont passer une petite journée au parc Astérix. Ça va être chouette, elles vont rentrer crevées, mais tout va bien. Ensuite, jeudi, je suis de correction. Vendredi, je me repose. Et puis, je sais plus. Oh, faut que je réponde à une maman parce que Alouena est invitée à un anniversaire le samedi, donc faut que je lui dise que c'est ok. Quoi d'autre? Ce week-end, ben samedi, ça va être repos parce qu'on a que 3, 2, 1, là. On va y aller. Un enfant sur les trois l'après-midi. Bon, le soir, on les retrouve, on mange avec elles. Elles sont invitées chez des amis. Leur deuxième, qui a le même âge que Maëlouane, donc à 4 ans, elles sont nées à 3 jours d'intervalle. Maëlouane est du 2 et l'autre est du 5. Oui, je vous donne pas les prénoms parce que là, c'est très spécifique comme prénom. Je crois que ça court pas les rues des enfants qui s'appellent comme ça, donc voilà. Et la grande a 1 an de moins que ma grande et 1 an de plus que la moyenne. Donc voilà. Et puis elles ont été en nounou ensemble. Donc. Et ben elles vont jouer chez leur copine. Les trois grandes. Et on aura juste petit amour à la maison. Qu'est-ce que ça va être calme. Après c'est juste pendant le temps de la sieste. Enfin, pendant l'après-midi. On verra à quelle heure il les emmène là-bas. Ensuite, à quelle heure il faut qu'on y aille. Bon, à mon avis, pas avant 18h, je pense. 17h30, 18h. On verra. Au moins, elles vont jouer, elles vont être contentes. Et nous, on sera au repos samedi après-midi. Ça va être pas mal. Et puis voilà, rien d'autre de prévu. Non, en fait, si, ça va s'enchaîner jusqu'au 9 et puis après, ça va être plus calme. Chéri, lui, a ses vacances au mois d'août. Donc, j'ai tout le mois de juillet pour envisager de préparer ma rentrée. J'ai les filles, les deux grandes qui partent une semaine avec mamie au mois de juillet. Donc, c'est parfait. Pendant ce temps-là, je vais ranger leur chambre, leur armoire. Bonjour
entendait un oiseau bizarre dehors. Non, bah, je me serais bien mis dehors, mais bah, avec l'humidité, il fait encore très très frais à cette heure-ci. Et même temps, tant mieux. On a eu. Je sais pas si on peut vraiment parler d'orage qu'on aurait eu. Donc samedi, journée normale. Et dimanche, c'était quand même assez couvert, menaçant, orageux. On a eu un coup de tonnerre. Oh si, il y a eu un petit orage quand même. Un coup de tonnerre, je dirais, vers 17h15. Donc on est rentré en vitesse avec les filles, puisque chéri lui était resté jouer à la console. Et bah derrière, on a vu une grosse, grosse, grosse averse, hein, tout ce que vous voulez. Ça a permis de rafraîchir comme il faut. Ça, par contre, c'était cool. Depuis, il y a de temps en temps quelques averses. Ouais, je crois que... je perds ma voix. Il y en a eu lundi, me semble-t-il, pendant que j'étais en cours. Hier aussi. Madame, il pleut, faut fermer la fenêtre. Enfin, forcément, c'est pas parce qu'il y a trois gouttes qui tombent sur le sol de la salle que vous allez mourir. Mais si, madame, regardez, il pleut. Ça n'a même pas mouillé le sol. Il n'y a pas de table sous la fenêtre. Hein. Donc, les élèves ne craignaient pas grand-chose. Voilà pour les orages, mais ça nous a quand même bien fait baisser les températures. Là, ils annoncent 28 pour Paris, donc qui est quand même assez loin de chez nous. Hein, mais en général, on se calque à peu près sur les températures. Hier, on avait 24. Je suis pas certaine qu'on monte à 28, on verra bien. Mais tant qu'il fait pas trop chaud, tout va bien. Moi, je suis pas difficile. Là, ça me va. Bon, là, il fait 14, hein, il fait pas non plus super chaud à cette heure-ci. Ça montera petit à petit, il faut être patient. Pardon. Et puis tout à l'heure, je pourrai aller m'installer dehors. Alors, je suis contente. Mais pas contente. Je suis allée à Action. Deux fois là depuis, je suis allée samedi parce que bah fallait que j'aille récupérer mon colis, hein, c'est pas de ma faute. Et puis j'y suis retournée lundi puisque je finissais plus tôt, fallait bien que je m'occupe en attendant d'aller chercher les filles. Et donc samedi j'ai trouvé les deux DP qui me manquaient dans la collection. Il manquait les chevaux et il me manquait le... Comment ça s'appelle? Le paysage avec les... J'ai plus le nom en français. Les petits yeux. C'est pas grave. Hummingbird. C'est quoi déjà? Je suis fortement influencée par mes livres de coloriage, je vous dis moi. Colibri, voilà, avec les petits colibris, je l'ai retrouvé le mot. Non mais, donc j'ai trouvé ça samedi. C'était le bon? Non, c'était pas le bon. Je vais peut-être allumer un peu la lumière. Qu'est-ce que ça donne si je l'allume pour vous? Ben je laisse allumer. Oh, ça va le faire. Ah, vous avez un vilain reflet. Mais le truc, c'est que moi, tu vois pas grand-chose. Ouais, ça va pas être trop moche là. Ce sera plus simple pour voir entre les deux T, parce que là, il y a du grand T. Ici, j'en ai un grand. Et tout le reste, c'est des petits T. Ouais, bah, vous voyez pas grand-chose. Et je disais quoi? Oui, j'ai trouvé ça. Mais j'espérais, bon après c'est un peu trop tôt je pense, trouver les nouveaux petits tableaux qu'ils ont sortis dans des petites boîtes noires, là, les mini tableaux. Mais j'ai pas trouvé. À la place, lundi, j'ai trouvé les nouvelles cartes à diamanter. Je savais même pas qu'ils en avaient sorti. Dans la foulée, j'ai vu ça sur Facebook.
Comme quoi, c'est assez étrange au niveau des commandes de DP, mais bon. Que voulez-vous dire? Ils font ce qu'ils veulent. Ils commandent ce qu'ils veulent et puis nous, on trouve ou on trouve pas. Voilà. C'est la vie. Non, mais je redécale mon sous-main parce que là, je vais pas m'en sortir. C'était mieux dehors. Hein. Parce que dehors, je peux étaler la toile comme je veux, j'ai pas de soucis, j'ai pas de problème de luminosité non plus, enfin voilà. Alors, quand je vais avoir fini cette lettre-là, je vais rééteindre la lumière. Là, c'est vraiment juste pour le passage où les deux lettres se mélangent, pour pas me tromper, sachant qu'il y a en plus une faible différence de couleur entre les deux, hein, faut être réaliste. Donc voilà. Donc j'ai pas encore trouvé les mini tableaux, j'ai trouvé les autres. J'ai pas encore tourné la vidéo. J'ai le temps de rien tourner. C'est une horreur. En même temps, je suis beaucoup au boulot. On a eu, bah là j'ai fait mes deux derniers conseils de classe hier. Et on a pas mal de choses qui se rajoutent. Ah, tu feras ci, puis tiens, si vous pouviez faire ça, et puis gna, bah ouais, mais à un moment donné, on est tous dans un état de lassitude extrême, on est fatigué, il est temps que les vacances arrivent. Et on nous en demande toujours plus. Bon, après, je suppose que c'est pareil dans tous les boulots. On va dire qu'en ce moment, la pression, elle est un peu. Un peu grande, mais c'est pas grave, tout va bien, c'est bientôt fini. Il nous reste 2 semaines et demie. En sachant que la semaine prochaine, le seul moment où je vois des élèves, c'est quand je vais les surveiller. Donc, en réalité, il reste 2 vrais jours de cours et ensuite, ce sera des petits ateliers qu'on leur proposera. Sachant que moi, la semaine prochaine, je ne mets pas les pieds au collège. Ah si, lundi, mardi, et après. J'y retourne pas avant le lundi suivant. Après, les corrections, c'est pas ce que j'aime le plus. Cependant, ben on fera avec. D'un côté, je suis content, enfin, je suis soulagée, je vais pouvoir corriger l'esprit tranquille parce que chéri se rend télétravail ce jour-là. Il aurait dû y être hier, grosse journée conseil de classe pour moi. Mais ils ont eu un petit souci informatique qui empêcher le télétravail, souci qui a été réglé dans la journée d'hier, donc maintenant c'est bon. Pour jeudi prochain, je peux compter sur lui, parce que si je dois corriger avec le stress de me dire qu'à 18h15 ou plus tard, je dois être partie quoi qu'il arrive, et qu'en plus le matin, il faut que je dépose les filles à pas d'heure à la garderie chez la nounou, c'est pas possible. C'est réellement pas possible, quoi. Je peux pas corriger sereinement dans ces conditions. Là, mon objectif évidemment reste de corriger le plus rapidement possible parce que voilà, je j'aime bien. Après, ben voilà, je suis une. Comment on dit? Froid, je trouve pas mes mots, ça va être compliqué cette vidéo. J'ai tendance, enfin, je corrige vite. Eh bien, hein, faut pas exagérer non plus, c'est pas du vite, 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 j'ai fini. Non, non, je corrige ça très. J'ai tendance à corriger rapidement. Mais après, 35 copies de brevets, ça se corrige pas comme ça. Hein. Ça demande beaucoup de travail, de. C'est fatigant. C'est très, très, très fatigant. Beaucoup d'attention. Mais, on va le faire. On va y arriver. On va faire toutes nos petites copies. Ah, c'est une mouche qui m'embête. Va aller dehors, moi. Ah, j'ai commencé mes petits craquages du mois. Lundi, il y avait encore, enfin, jusqu'à 9h, il y avait encore les promos sur AliExpress. J'ai commandé plein de mini toiles que je voulais depuis un moment. Que j'avais mis dans le panier. Bon, j'en ai eu pour 36 euros, je crois. J'étais assez raisonnable. Je vous montrerai un passage. Je vous garde la surprise pour l'unboxing.
Mais l'unboxing va être long, il y a plein de poteaux de toile. Trop content, des petites toiles de bonne foi, hein, pour compter. Avec des petits animaux trop mignons. J'ai des petits paysages 4 saisons, mais pareil, c'est du petit format. Une envie de petits projets. Ensuite, j'ai passé une première commande Pencel, puisque j'ai décidé de passer ma commande en deux fois. Comme ça, je profite de deux petits cadeaux. Parce que sur Pencel, et puis je vais avoir la même chose sur Pen Custom Way, puisque je passerai aussi commande. Pour 30 livres et 30$ en fonction du site, vous avez qui est de point de croix ou de d'épée ou machin qui vous est. Enfin, vous pouvez choisir un cadeau gratuit. Sauf que si vous en avez pour 30 livres, on va dire si on reste sur Fencel, vous avez un cadeau. Si vous en avez pour 60 livres, vous avez un cadeau. Le truc, c'est que de toute façon, vous payez les frais de port. Sauf que si vous passez deux commandes de 30 livres, vous avez deux cadeaux. Donc, bah, j'ai décidé de passer deux commandes de 30 livres. Donc là, j'ai pris bah, pas mal de petits modèles. Bah ouais, même pas mal du tout. J'ai repris les quatre modèles que je vous avais présentés, que j'avais pris pour les fifis. Là, le panda, le renard, la licorne et le pingouin. Parce que je les voulais pour moi. Et que du coup, je les avais pris une première fois pour les fifis. J'avais dit que je les reprendrais pour moi comme ils ne sont pas très chers. Donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai commencé ma collection de petites fleurs des saisons. Des mois. Après, clairement, je suis la bourre par rapport à tout le monde les avait l'année dernière. C'est mon tour. J'ai mis longtemps à me décider, et puis finalement, allez. Ça fait longtemps que je les veux. Je me dis que si je les prends pas là, elles seront peut-être plus là l'année prochaine. Donc j'ai dû en prendre 8 ou 9. Je prendrai les autres sur ma future commande. J'ai préparé ma commande Paint Some Way parce que là-bas, ils ont une toile qui m'intéresse fortement. Ils ont trois toiles représentant des planisphères. Et je trouve ça trop beau. Et ces planisphères à l'ancienne, c'est vraiment de très belles toiles. Donc, je vous présenterai ça. J'ai pas encore validé la commande. Je pense que je le validerai peut-être la semaine prochaine. Comme ça, je me laisse une petite semaine entre chaque commande. T'as fait des cadeaux toutes les semaines, c'est quand même cool, hein. Et je vais commander des petits accessoires avec. Parce que Pen Somewhere, le truc sympa, c'est que vous commandez et vous avez en fonction d'une. Alors vous avez un cadeau pour 30$. Et là, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais en ce moment, pour acheter. Si vous achetez 7 articles, par exemple, vous avez 17% de réduction. Alors, pour le même prix que ce que je voulais au départ, je vais avoir plus de choses puisque j'ai rajouté des petits articles. Mais des petites choses utiles pour le point de croix. Il y a des pinces, il y a des choses comme ça. Enfin, je vous montrerai ça. J'ai pas encore validé la commande, donc je pense que je le ferai lundi. Ou vendredi. Bon, je verrai bien quand je la valide. Elle est prête. Elle n'attend plus que moi. Mais voilà, c'est des trucs, c'est sympa. Donc, mes petits claquages du mois. Et puis hier, pourquoi je suis tombée? Je suis tombée sur Temu. Sur une pub Temu, je crois, sur Facebook, un truc comme ça. Et là. Où je regarde un truc vite fait et je vois s'afficher dans ma barre cashback parce qu'on est gras hein, et cashback en hausse de 6% passe à 15%. Bon bah voilà, je me suis commandé deux trousses et deux lots de crayons, le tout pour 30€ hein. Donc ça reste correct. Les lots de 72 crayons que je vais utiliser pour mes coloriages mystères de la nouvelle série que je suis en train d'acheter.
fait penser qu'il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus. C'est pas du Disney, mais c'est trop fun à faire. J'adore. Donc je vous présenterai ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, il faut que je vous fasse une vidéo Floustube. Non mais sérieux, je suis pas sérieuse, hein. Je sais pas si j'ai... Vous avez eu en ligne la semaine dernière, depuis toutes mes bêtises. Mais en gros, j'ai commencé de nouvelles toiles la semaine dernière en point de croix. Quelle bonne idée! Ah mais j'en veux plus, moi. Bon, là, je vais essayer d'avancer. Bah, j'avance tranquillement ma petite tasse de mai. Après, j'en fais que le matin. Avant d'aller au boulot. Donc, forcément, elle n'avance pas vite. Et le soir, là, depuis 2 jours, c'est d'épais le soir. J'arrive pas. Je sais que j'aurai énormément de mal à me concentrer sur le point de croix. À tenir, parce que je suis dans un état de fatigue. Ça me saoule. J'aime pas ça. Après là le matin ça va. Surtout là, parce que j'ai pas bossé tout ça. Je m'offre une petite journée repos, détente, avec 4 enfants à la maison, quoi. Mais ça va être une journée coucou là. Je vais pas trop forcer. J'ai une machine qui tourne, la vaisselle à vider, enfin le quotidien d'une maman, quoi, mais sinon. Pas grand chose de prévu aujourd'hui à part DP, point de croix. Je crois que Léone elle va vouloir qu'on commence un nouveau colo ensemble. D'ailleurs, j'ai mes 2 litres de colo qui traînent, enfin qui traînent, qui sont posés sur mon bureau du salon qu'il faut que je range en léthargique. Fini 3 colos cette semaine, je suis contente de moi. J'ai fini 2 petits bobblehead là de chez Action lundi mardi. J'en ai commencé un autre. Donc j'ai fait. Le premier que j'ai fait, c'était le loup. Alors j'étais un peu dégoûtée. Enfin, on n'ira pas jusqu'à dégoûter, c'est un petit peu fort comme terme, mais j'ai trouvé ça un peu dommage, c'est qu'il m'a manqué des diamants roses, je crois, pour finir le socle. Donc j'ai mis une autre couleur sur une bande. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. C'est pas dramatique. Hier, j'ai fait le toucan. Donc là, j'avais des restes de diamants, pas de soucis. Et j'ai commencé la licorne. Bon, c'est sympa à faire, ça va vite. Comme ça, ben, j'ai repris ça pour faire des cadeaux de fin d'année pour les maîtresses des fifis. On va rajouter une petite tasse, une petite carte à diamanter, enfin des petites choses. Des trucs sympas. Donc bah, il reste que 15 jours. Donc bah, à un moment donné, ça fait beaucoup de temps dans une phrase, j'en suis désolée. À un moment donné, bah, faut les faire, hein, parce qu'ils vont pas se faire tout seuls. Donc j'ai attaqué. Je verrai si je fais des cartes tout à l'heure. Je sais pas encore. Si je vais refaire du DP après. Parce qu'en fait. Bon, ben on va avoir le colo avec les loines peut-être ce matin. Cet après-midi, je sais pas encore ce que je vais faire. Et à un moment donné, je voudrais me replonger dans le Mario de Cherrier. Donc, ma toile en 14 CT de chez. De chez Mayan. Donc. Tic de langage du jour, ce sera le donc. Hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Alors qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que je dis. Ouais, je me verrais bien faire un petit peu me relancer sur cette toile. On va voir. Disons que c'est une velléité. On verra si on va jusqu'au bout des choses. Je tourne un peu sur mes projets en ce moment. Ça fait du bien aussi. Et puis ce soir, on verra dans quel état de forme je suis. Si je peux broder ou non.
Ce sera la surprise, je ne sais pas. Là, je suis pas en panne de broderie ou de DP ou de quoi que ce soit, c'est juste que je suis tellement fatiguée que j'ai pas d'énergie le soir. Mon cerveau a envie et mon corps n'est pas forcément d'accord. Et c'est embêtant quand les deux sont pas en phase. Moi, je vous le dis, c'est embêtant. Tu veux pas tenir? Ah bah si, on va te faire tenir. C'est quoi celui-là? Celui-là, c'est celui de l'éloigne. C'est pas grave. Elle va rien dire. Et par contre, je vais mettre plus loin pour que ça me gêne. Petit coverminder. Non, les trousses, ça va aller droit mon cou sur... Sur Temu, j'ai payé moins de 3 euros chaque trousse. J'ai une 108 trous et une 72 trous. Ben, j'ai trouvé le prix plus que correct. Bon, c'est les deux mêmes coloris, mais comme c'est pas la même taille de trousse, ça y est, je perds encore ma voix. Donc, ben, ça va le faire. Je les reconnaîtrai plus facilement. Et j'ai repéré aussi trois lots de crayons sur Amazon. Je finirai par craquer, de toute façon, je me connais. Donc on verra, on verra, on verra. Je vais finir par craquer, la question c'est quand? Bon, je vais pas prendre les trois en même temps, je pense. Bon, après, c'est des lots de 72 crayons qui sont pas excessifs en termes de tarifs, mais bon. Le problème, c'est qu'il va falloir que je fasse mes nuanciers. J'ai des diamants qui sont tombés. Bon, c'est rien de grave, hein. Je vais être coincée dans le couvercle. Pas dû bien fermer mon couvercle la dernière fois. Et du coup, comme je range ma... Lisette avec les diamants, je la mets debout. Et ben voilà, tombée. Ainsi, tout à l'heure, faut que je range. J'ai commencé à ramener mes classeurs du boulot, tout ça. Faut que je range. Alors que je range tout ça. Et je dis, il faut que je continue à vider un peu ma salle. Oh, ça va le faire. Mais du coup, j'aimerais bien ramener le sac avec lequel j'ai commencé à vider pour continuer, quoi. Ce serait pas mal. Un grand sac, comme ça j'enlève petit à petit mes affaires et puis je finirai de vider. Bon, je vais pouvoir vider un peu encore lundi, mardi, puisque je surveille dans ma propre salle. Donc ça, c'est cool. Je suis chez moi. Entre guillemets. Hein. Donc on va continuer à ranger tout ça. Ah, enfin, j'enlève les livres que je vais mettre dans l'armoire vendredi aussi. Parce que après, il y aura le... Comme il y a le brevet, ils sont capables de me virer tous mes livres pour éviter qu'ils la trichent ou je ne sais quoi. Le problème, c'est que c'est les miens, moi. Donc s'ils les emmènent je ne sais où, ça va pas le faire. Donc, moi je vais les mettre dans l'armoire, c'est pas grave en soi. C'est pas grave. Que je vais en avoir besoin de toute façon pour le reste de la journée, enfin pour le reste de la... Je peux pas les enlever trop vite, hein. Le matin, je vais en avoir besoin. Bon, on va gérer. C'est plein de petites choses auxquelles il faut penser. J'ai plein de dessins accrochés dans la salle. Là, on a changé toute la déco. On fait des coloriages sur le thème du sport en vie de classe. Et là, ils sont super colos. Ils adorent. Donc, bah, tant mieux, c'est sympa.
J'espère que j'aurai ma propre salle l'année prochaine. On sait pas encore. On en saura peut-être plus jeudi si les postes ont été. Oh, bon, de toute façon, j'en ai plus besoin de la lumière maintenant. Si les postes ont été pourvus ou pas. Et puis moi, je saurai beaucoup plus tard. Hein. Vous savez, j'ai d'ici le mois de d'août, je saurai où je suis. Va se faire petit à petit. Faut être patient. Oh là, moi je suis pas en mode préparons l'année prochaine, je suis plutôt en mode survivons à cette fin d'année. Mais après ça se passe très très vite. Hein. La semaine prochaine, on aura. Enfin, en fait, c'est ça. Il nous reste encore deux sessions de DP, deux cases de ce côté-là. Et après, pour débuter les grandes vacances, on basculera de l'autre côté de la toile. Et vu que ce sera. Oh, petite mouche, tu t'en vas. J'espère que vous n'entendez pas les pénibles. Il y a toujours une mouche pour embêter le monde. Hein. Toujours. Donc je disais, pendant les vacances, j'essaierai peut-être de faire une vidéo de plus par semaine sur la toile. On verra ce que j'arrive à tourner. Parce que bon, c'est comme d'hab. Hein. Ouais, j'aurai plein de temps, je vais pouvoir faire ça, 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 ça. Et à la fin, comment ça, c'est déjà la rentrée, mais j'ai pas eu le temps de faire la moitié des trucs que je voulais faire. Donc voilà, hein. On va pas se leurrer, ça va être compliqué. Mais, allez, on se fait un petit bilan avant les vacances. Alors, pendant les vacances, j'aimerais repriser tous les vêtements que j'ai qui traînent, qui ont des petits soucis. Bon, ça peut aller vite. Deuxième opération, je voudrais terminer mes nuanciers et terminer de faire toutes les trousses de crayons dont j'ai besoin pour ranger mes crayons. Mais le problème, c'est que j'achète des crayons plus vite que je ne couds des trousses. Donc, c'est pas gagné. Ensuite. Bah, je vais finir ce DP là et puis essayer de vous tourner le plus de vidéos pour finir. Je voudrais en commencer un autre pour Alwena. J'ai ses fleurs à faire. Quoi d'autre? En fait, il y a tellement de choses. Et puis après, bah, faire des choses que j'ai envie de faire tout simplement. Hein. Se reposer, lire. J'ai plein de livres à lire qu'on m'a prêté, donc il va falloir que je m'y mette. Le problème, c'est que bah, il faut du temps pour lire. Hein. Et beaucoup, donc je lis vite, mais c'est bon si je décale un peu. Ouais. C'est d'avoir ma barquette. Bon, on va remettre de la pâte à fixe parce que là, ça fait un moment que ça commence à me saouler. Pâte à fixe. Quelle heure est-il? 7h26, c'est vrai que j'ai commencé tôt, je suis là, je suis après. Pas d'interruption. Dis bon, j'allais dire probablement pas, non, bah c'est même sûr que non. Non, j'ai décidé de ne pas faire de sport là, parce que je ne peux plus, je suis fatiguée. Je reprendrai tranquillement. Pendant les vacances, là, je mets en pause et puis. Dans 15 jours, on s'y remet à fond. Votre Alice, à force de tirer sur la corde, ça ne va plus. On va essayer de se reprendre le rythme comme il faut pendant les vacances. Et puis ensuite, pour le reste, ça viendra. Mais elles sont deux à voler dans tous les sens là. En fait c'est ça, c'est il n'y en a pas qu'une. C'est un peu circuit de cartes ou je ne sais quoi là dans le bureau. C'est pénible les mouches en vrai. Puis il faut qu'elles passent juste à côté de l'oreille, quoi. Ah qu'est-ce que c'est pénible. Vous avez de la chance que c'est encore trop humide dehors. Oh
le film est fini déjà? Bah oui, en même temps. Bon, j'éteindrai tout à l'heure. Mais là, les affaires de piscine de la princesse sont prêtes. Elle avait piscine hier, elle a piscine bah, mardi prochain pour la dernière fois, comme ça. La dernière fois de l'année, on reprend en septembre. Hein. Après, la semaine prochaine, on va pouvoir ranger les affaires de piscine. Ce sera déjà cette fée. Pas les ranger trop loin hein, parce que le maillot de bain et la serviette elle en aura besoin quand on ira à la plage. Donc voilà, on va pas y aller les ranger trop loin. Mais une obligation de moins. Oh, vous allez me dire, c'est pas ça qui m'empêchera de faire des lessives le mercredi parce que bah faut bien. Hein. Bon là j'en ai fait une pour nous, mais pour les filles je devrais pas avoir puisque de toute façon ils ont pas mis leur linge à laver. Donc forcément. Voilà quoi. M'agace cette gorge qui devient enrouée toutes les 2 secondes alors qu'il n'y a aucune raison. Et puis je ferais bien, je vais faire un brin de rangement dans la cuisine parce que chérie a fait à manger ce week-end. C'est propre, mais il y en a partout où je range. Les 3 jours qu'il fait à manger, je vous raconte pas l'état. Bon, pas grave, il y en a pourquoi. Une demi-heure et puis la cuisine elle sera nickel, rangée, propre, enfin tout ce que vous voulez, brillante. On finira pas jusqu'à reluisante, faut pas exagérer. Mais oui, je vais ranger histoire qu'on redécouvre la couleur du meuble, enfin des meubles. Des fois, quand je range après nuit, je dis, oh, mais le plan de travail, il était noir. Je savais pas, je m'en souvenais plus. Il dit que je suis méchante. En même temps, il est tout le temps en train de râler qu'il trouve rien, mais il fout tout en bazar. Il range jamais rien, il pose tout n'importe où. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est ce que je dis souvent, je n'ai pas 4 gosses, j'en ai 6, parce que je compte le chien et le mari dedans. T'es une mini PME. Ah, non. Heureusement qu'il y en a une qui est organisée dans le lot. Oh, j'aurai le temps de vous en reparler. Mais on risque de rentrer en travaux dans les 2 prochaines années. Création d'un garage avec comble aménagé. Ça va être cool. Du coup, deuxième garage donc pour ma voiture, puisque lui en a déjà un. Et donc il sera attenant au premier garage. Et au-dessus du garage, l'aménager qui feront le prolongement de sa chambre entre guillemets sa salle de jeu à lui donc tadaan. Et j'ai négocié, je pourrais ranger, j'aurai une bibliothèque pour ranger mes livres de colo. Oh là là, quand je regarde tout ça, ça je me dis ça me perd de la place ici. Après, il faudra que je fasse des choix sur lesquels je mets là-haut, quoi, mais. Mais voilà, ça va être chouette. Bon, n'empêche que quand j'aurai fini cette case, j'ai de quoi faire ce matin avant le lever des monstres. Donc, on a dit biberon, lessive, à étendre, rangement du lave-vaisselle. De la cuisine et je voudrais aussi ranger mes trucs de cours là que j'ai ramené, mes classeurs là, voilà. Ranger tout ça et ranger
Bah, tourner ma petite vidéo avec mes petits trucs de chaque action. Tout est petit mignon. Non, elle va pas être très très longue la vidéo. Mais ça me permettra de ranger. Ouais, en fait, ça va être activité rangement ce matin. Youh, quel bonheur. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Donc faut que je m'occupe de tout ça. Bien, c'est que le matin, comme ça, je prévois toute ma journée. Puis, des fois, ça arrive, hein, j'en fais pas la moitié. Et des fois, j'en fais 10 fois plus que ce que j'avais prévu. Je voudrais aussi, j'ai des pommes à découper. Bon, ça va vite, j'ai une machine qui... Vous savez, on met la pomme, on tourne, et puis ça épluche et ça découpe. Je voudrais faire les pommes séchées pour les filles, enfin déshydratées, donc il faut que je sorte le déshydrateur, tout ça. Mais auparavant, bah, il faut que je fasse de la place là où monsieur a mis son bazar. Je suis d'accord, il n'est pas tout seul, il y a aussi des jouets qui traînent à la cuisine et ça. J'ai poussé une gueulante déjà la semaine dernière, je pense on va être parti pour la même chose, je veux qu'elle range, j'en ai marre. J'aurais dit, de toute façon, ce qui n'est pas rangé, ça part à la poubelle. C'est une bonne idée, non? Ah, action, si je leur ai pris un truc. J'ai pris de la bâche anti-racine et je leur ai pris de la fausse herbe pour mettre sous leur petite maison. Donc, il faut qu'elles me vident l'intégralité de la petite maison puisqu'elles ont renversé la caisse de jouets d'extérieur à l'intérieur et c'est pas à moi de ramasser. Donc ça va être leur occupation du matin. Elles vont tout vider pour qu'on puisse déplacer la maison, installer les enfin la bâche et le machin là, l'herbe. Et ensuite, on remet la maison en place et elles rangent. Comme ça, elles vont être bien. Alors j'ai pris un seul truc de fausse herbe, un rouleau d'1 mètre sur 2 mètres. Et après, j'ai vu la petite maison, je me dis que ça fait peut-être un peu de lust. Bon, on verra. On verra bien. Fait un peu ben avec ce qu'on a. Hein. C'est concentration là, l'espace un instant. Oh, pardon. Bon, j'imagine tout ce que j'ai à ranger, mais une fois que ça va être rangé, en fait, ça va être tellement cool. Donc, non, je vais m'occuper de ça tout à l'heure. Ah, la mouche, c'est pas le moment. On discute. Non, mais. Il revient! Je suis en train de me demander où je vais ranger ma... Toi la brodée, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai un emplacement parce que je... Ah, il faudrait que je la teigne, que je la découpe, tout ça, tout ça. Oui, j'ai acheté. Oh, j'ai dû vous en parler. Je sais plus. Chez Toto, ils avaient des promos il n'y a pas longtemps. Et donc j'en ai profité. Bah, c'était samedi, il y a une semaine et demie. J'ai acheté de la toile Aïda parce que si on achetait, on avait 50% du montant qui sortait en bon d'achat. Et donc, ben moi j'ai acheté de la toile Aïda. J'en ai acheté 4 mètres. Maintenant, il faut que je la range. Mais avant de la ranger, je voudrais préparer la toile pour faire la broderie que je veux faire, le Epic Storybook Princess ou Princess Epic Storybook, je sais plus dans quel sens il se dit, de Cloud Factory. Et je me tâte à faire aussi le Harry Potter, la grande toile Harry Potter que je suis en train de me faire. J'ai aussi le patron de Cloud Factory maintenant. Donc, bah j'hésite à le faire en même temps pour comparer. Et là, je vous dis, tiens, j'hésite à le faire. Et je me dis, oh,
ça fait une semaine et demie que j'ai pas touché à ma toile, j'y retournerai bien là. Oui, ben, on va se calmer un peu parce qu'on n'aura jamais le temps de tout faire aujourd'hui là. Non, 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 non. Si c'est pas sérieux ça. Non, non, c'est pas du tout sérieux. Donc, il faudrait. Bon, ça, je pense que je vais ranger la toile déjà là, puisque je sais où la ranger et que de toute façon. Du coup, j'ai un sac avec la toile posée devant mon bureau. Donc, si je range la toile là, au moins elle sera rangée. Et après, pendant les vacances, je vais la ressortir. Je vais la couper, je vais la teindre, je vais prendre le temps de faire les choses là. J'ai envie, mais je sais que je n'ai pas le temps, donc faut. Soyons raisonnables pour une fois. Ouais, ça m'arrive. Donc, bah, j'ai ça aussi à ranger. Trop de choses, j'en ai marre. Oh, et puis j'étais raisonnable, j'ai pris la 14, c'était au lieu de prendre la 18. Parce que bon, vous savez, je travaille beaucoup. En point compté, je travaille quasiment uniquement en 18, c'était. Sauf si je prends des petits kits en 14 CT sur un lit ou quoi que ce soit, mais sinon je travaille quasiment uniquement en 18. Ou plus fine. Au-dessus, souvent j'ai plus de. C'est pas que j'ai plus de mal, c'est que je trouve le rendu moins joli. Donc forcément, je vais me diriger vers ce qui me plaît le plus. On verra bien. Il y a plein de choses comme ça. J'ai vu passer quelques tags aussi qu'il faudrait que je prenne le temps de monter pour les faire. Mais le temps. Quelle est cette chose immonde? C'est pire qu'un serpent, c'est tout gluant, visqueux et ça s'échappe tellement vite, on n'a pas le temps de le voir passer. Vous imaginez que l'année scolaire est déjà presque terminée. C'est fou, hein. Je l'ai pas vu passer encore une fois. Quand j'étais jeune, le temps me paraissait très 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 long. Je voyais pas le temps passer. Maintenant que je suis vieille, vieille, tout est relatif, hein. Mais je trouve que le temps passe trop vite. J'ai à peine le temps de voir grandir mes enfants. Demain, ils vont me prendre un appart. Et j'aurai pas le temps. C'est fou comme le temps passe vite. Bon, pour certaines choses, je jette un petit bout de pression, voilà. Pour certaines choses, on est content que le temps passe vite. Pour d'autres, un peu moins. Ah, j'ai le retour de ma petite mouche. N'est-elle pas pénible, celle-là aussi? J'aurais dû acheter des pochettes à action pour ranger mes futurs points de croix carrés. Quoique je crois que ceux qui viennent de Pancel, ça doit être du. Ah, je trouve plus mes mots. Du Joy Sunday. Donc pas besoin de pochette, c'est déjà en pochette. C'est déjà ça. Ta fixe. Et là, ça commence à être juste. J'avais pas rempli à fond mon truc, donc c'est normal. Au bout d'un moment, la pâte à fixe, elle s'enfonce dans le ça là. Et donc forcément, bah il y en a plus qui affleurent au bord du stylet. Et ça colle plus. Dans le salon, je suis sur la glodote. Mais là, ici, c'est pas ta fixe. On sent la feignasse, hein, qui a pas envie de déplacer tout à chaque fois. Et puis, il y a des toiles sur lesquelles la glodote, ça fonctionne pas parce que ça colle trop fort. Donc. Voilà. Ici.
c'est pas ta fixe. Puis bon, quand on voit le peu de pâte à fixe qu'on utilise et le prix que ça coûte, t'en vas. D'ici que je finisse un truc de pâte à fixe avec les... Comment ça s'appelle? Avec le DP. Déjà que j'ai pas fini celle au boulot alors que j'arrête pas d'accrocher les trucs dans la salle. Bon après je réutilise beaucoup. Enfin, je réutilise tout court. Mais je rajoute régulièrement des choses. Pour ça, j'aimerais bien tourner dans ce collège l'année prochaine, on verra bien. Ça pourrait être sympa. On verra bien. Bon, moi ce que j'aime, c'est avoir ma salle comme ça. On est quand même beaucoup plus libre pour travailler, pour faire ses corrections, s'installer, etc. Quand on change tout le temps de salle, c'est quand même pas pareil. Mais il y a beaucoup d'établissements où c'est ça, on est obligé de changer de salle tout le temps. On verra bien ce que ça donnera à la longue, quoi. En tout cas, c'était cool cette année. J'ai bien apprécié. En fait, ça va vite, hein. Ouais, il est 7h45, on a le temps, là on est sur l'avant-dernière couleur. On va avoir le temps de finir ça tranquillement. Après, passer comme d'hab, faut pas que j'oublie de mettre la vidéo sur l'ordinateur, de la mettre en traitement, tout ça. Pour essayer de vous la basculer le plus tôt possible sur... C'est-à-dire sur Pronote, non, ça c'est au boulot. Sur YouTube, ce serait une bonne idée que j'oublie pas. Parce que j'étais en train de déjà de me dire oui, après je vais faire ci, ça, ça. Ben non, je vais mettre la vidéo déjà. Donc on va essayer de faire en sorte que vous l'ayez avant ce soir, ça peut être sympa. Hein. Après, le problème, c'est qu'une fois que j'ai les fifis, ben, je pense plus forcément à tout ce que je dois faire à côté. Je m'occupe d'elle, c'est déjà bien. Oh. C'est vrai que quand elles sont levées, j'avance moins dans mes loisirs. Et puis bah hier soir, on est rentré tard du fait du conseil de classe, on est rentré à 19h, donc les devoirs, bah c'est pour aujourd'hui. Hein. On n'a pas pu les faire hier. Alors je sais pas si Nena va avoir des devoirs puisque sa maîtresse était absente. Bon, ils avaient un remplaçant, mais. Je ne suis pas sûre qu'elle ait des devoirs. Je n'ai pas demandé. Oh, je saurai très vite. Après, si elle a des devoirs, c'est de la lecture à son âge. Elle ne va pas avoir. Je remets ma pâte à fixe comme il faut. Ilouane, ça va être ses dictées à réviser. Oh, et puis peut-être encore une semaine et demie de devoirs. Et après, ce sera fini pour les deux derniers jours, je pense. Ce serait sympa hein, parce que bon, après clairement tant qu'ils leur donnent des devoirs ils arrivent à peu près à les mobiliser en classe et encore je suis même pas sûre donc nous c'est le discours des élèves est fort sympathique conseil de classe c'est passé vous pouvez plus rien nous mettre ben si en fait si j'ai envie de vous mettre des notes je vous mets des notes hein, je suis pas comme ça moi. Et je peux être très désagréable là-dessus. Hein. Bon, après, clairement. J'ai pas envie d'en mettre. J'ai pas envie d'avoir d'autres copies à corriger. Mais s'ils insistent, j'en suis capable. Oh, la semaine dernière, j'aurais proposé. Soit je vous évalue sur la synthèse, soit on passe directement à autre chose. Eh bien, ils ont voulu une éval. Donc, j'avais leur conseil de classe le soir. Donc, c'est ma classe où je suis prof principale. Le matin, ils ont fait une, donc leur éval de synthèse.
Et après mi fin à midi, j'ai dû corriger tout pour mettre ça sur Pronote directement pour pouvoir réimprimer, renoter toutes mes moyennes, etc. Mais vous êtes sérieux, quoi. On vous propose de ne pas faire une éval et vous aussi, si on l'a fait, on l'a fait. J'ai fait la même chose avec ma deuxième classe de quatrième et... Non, non, on fait pas l'éval, on fait pas l'éval, hein. Et pourtant, ils avaient aussi le conseil de classe le soir, comme quoi. Je les aime bien, hein, mais... Faut pas exagérer. Mais là, c'est bon, j'ai décidé. Enfin, si, il y en a qui ont des évaluations de conjugaison, mais clairement, je les mettrai pas sur Pronote. Ils vont en avoir une demain parce qu'ils ont été vilains tout plein. En plus, bah, jeudi, j'ai au moins deux classes qui rendent leur manuel. Je vais pas regarder l'autre classe, c'était jeudi ou vendredi, mais en gros, enfin voilà. Là, ils vont rendre leur manuel. Après, on n'aura plus beaucoup d'élèves. Hein, puisque après, les cours sont obligatoires là dans ce collège-là jusqu'à vendredi. Sachant qu'il y en a déjà qui viennent plus. Hein. Et la semaine prochaine, donc c'est. Enfin, aujourd'hui, les troisièmes passent leur brevet. Leur brevet. Leur oral de brevet. Petite pensée pour eux. Et la semaine prochaine, donc lundi, mardi, passe le brevet. Mercredi, je sais plus, c'est banalisé, je ne sais plus pourquoi. Enfin, les élèves n'ont pas cours. Et à partir de jeudi, on leur propose, enfin, moi ce sera que à partir de lundi, mais jeudi, vendredi et toute la semaine d'après, c'est activité sur inscription. Donc, tous les parents ont reçu un message sur Pronote demandant d'inscrire leur gamin à des activités, enfin de répondre à un sondage. Sur le sondage, c'est les différentes inscriptions, enfin les inscriptions aux différentes activités, ou alors dernière case, mon enfant ne sera pas présent. Donc on verra bien comment ça se passe. On a prévenu les élèves aussi que voilà, il y avait ce sondage qu'il fallait que leurs parents répondent, parce que le problème c'est que derrière, il faut qu'on organise les ateliers en fonction du nombre d'élèves qui nous est attribué. Sauf que si on a 70 élèves en plus qui veulent faire l'atelier, c'est pas la même histoire. Donc, j'ai cru que c'était un demi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Pour le moment, on a 54% des parents qui ont répondu au sondage, et sur ces 54%, 71% ont dit que leur enfant ne viendrait pas. Donc, le sondage étant ouvert jusqu'au 26, ça doit être mardi, on a peut-être, enfin, on aura peut-être plus de parents qui y répondront, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était les derniers résultats hier soir, puisque nous, enseignants, pouvons consulter le sondage. Donc, bah, on verra bien ce qui va être répondu, non? Et déjà, 30% de 50% de présence, ça va pas faire beaucoup. Et puis, peu ont choisi les activités que je proposais. Après, enfin voilà, peu ont choisi chaque activité. À 30%, ça fait pas beaucoup déjà. Et puis après, si on fait un petit calcul, là il me faut la calculatrice, hein, parce que moi je suis pas très très douée. On va arrondir le nombre d'élèves, je sais même plus combien on est. Calculatrice. On va arrondir à 650 élèves. On doit être à 620. Allez.
620 que divise n'importe quoi. Moins 71%. Fait à peu près 125 élèves, à peine 125 élèves pour le moment qui viendraient. Divisé à chaque fois par, il y a une vingtaine d'activités, ça fois à peu près ça. Bah, chaque enseignant va proposer une activité, donc forcément, divisé par le nombre d'enseignants, ça va pas faire beaucoup d'activités, hein. Enfin, ça va pas faire beaucoup d'élèves par activité. On verra bien ce que ça va donner, mais ouais, il n'y aura pas énormément d'élèves. Ça nous en fera 6-7 par enseignant, donc il y aura sans doute des regroupements. Donc ça va être sympa. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins c'est une fin d'année qui est organisée. On sait ce qu'on fait, on sait où on va. C'est officiel, on propose des activités, alors que habituellement, on en propose, mais c'est juste pas officiel, hein. On est censé travailler jusqu'au bout. Mais comment faire travailler après le brevet des élèves? Soyons réalistes, hein, c'est de la garderie. Ils ont plus aucune envie de travailler, il n'y a plus aucune évaluation, rien du tout. Enfin, on peut plus. Ils n'ont plus envie. Nous non plus. On est fatigué de notre année aussi. Et on profite de ces moments beaucoup plus conviviaux et cordiaux avec les élèves. Et franchement, c'est sympa. C'est une partie de l'année que j'adore. Mais j'apprécie énormément que ce soit organisé de cette manière-là. Au moins, on les prend pas en traite, ils savent ce qu'on peut proposer. Et au niveau gestion vie scolaire, c'est quand même plus simple de savoir quel élève fait quoi et où à quel instant. Je suppose que nous, on nous permettra du coup de pouvoir faire l'appel. Ce qui allège aussi le côté vie scolaire, parce que si on ne sait pas quel élève est avec quel enseignant pour faire quoi, enfin le pour faire quoi, on s'en fiche un peu. Ce qui est intéressant de savoir, c'est où se trouve chaque élève. Et du coup, ça évite à la vie scolaire de courir dans tous les coins pour trouver, pour savoir qui est là, qui mange à la cantine, qui mange pas, etc. Enfin, c'est un sacré boulot pour eux d'avoir à gérer derrière pour trouver tous les élèves et puis pour éviter tout problème. Parce qu'il y a forcément des petits plaisantins qui viennent pour faire les idiots. Là, en ce moment, leur grand truc, c'est ils s'amusent à déclencher l'alarme, l'incendie. Alors, l'avantage, c'est qu'au niveau administration, ils peuvent éteindre l'alarme avant qu'elle ne sonne. Donc, la première chose qu'on a, c'est toutes les portes coupe-feu qui se ferment. Et donc, à partir du moment où les portes coupe-feu se ferment, enfin eux ils ont une alerte au niveau de l'administration et ils bloquent l'alarme, enfin ils font les vérifications d'usage, bloquent l'alarme et puis c'est bon. Là on sait très bien, on sait quels élèves le font. Le problème c'est qu'il faut les choper. Une fois qu'on les aura pris en flagrant délit, il y en a pour lesquels ça va piquer un peu. Mais tant qu'on les a pas pris en flagrant délit, bah, présomption d'innocence, on ne peut pas dire que. Et on peut rien faire. Mais c'est pénible parce que du coup, au niveau administration, ça leur demande beaucoup de travail d'aller bah, à chaque récré, vérifier qu'il n'y a réellement pas le feu, tout ça. Désenclencher l'alarme, réenclencher les portes. Hein. C'est pas, franchement, c'est pas sympa de la part des élèves. C'est pas sympa du tout. Et bon, ça les fait rire. Bah, il
font courir tout le monde, ça les fait rire. Je pense qu'ils se rendent pas compte en fait pour eux quand ils appuient sur le bouton. Ça déclenche juste la fermeture des portes, ils ont pas tout le reste. Mais je pense que. Après, je me trompe peut-être. Mais si l'administration courait pas partout et les laissait. Bah, laisser les choses aller jusqu'au bout, donc laisser l'alarme incendie se déclencher, à force, ça gonflerait tous les élèves et du coup, ils seraient obligés d'arrêter. Mais bon, ce n'est que mon point de vue, je me trompe peut-être. Hein. Ouais, ça va, jeune fille. Le Wawa dit que je fais trop de bruit à parler. Bon, bah sur ce, on est déjà 1h05 de vidéo. Oups. Ma petite case est finie. Il avance ce petit chat. Il nous reste les deux prochaines. Et puis moi, je vais mettre la vidéo sur l'ordinateur. Je vais aller nourrir le four pendant que ça charge, tout ça. Enfin, j'ai deux, trois bricoles à faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour bah, la suite de notre petit chat. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.